mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour. C'est encore Jean-Pierre Lotard en direct sur les pavés de la capitale parisienne pour une manifestation monstrueuse. Nous sommes en 1968. Oui, mesdames et messieurs, j'aperçois dans le cortège des professeurs, des étudiants, tous réunis. J'ai même vu certains ouvriers, tous réunis pour cette manifestation. Et je vais tenter une approche, mesdames et messieurs, Jean-Pierre Lotard en immersion dans mai 68. Ah, j'aperçois un représentant de la laïcité, si je lis bien sa pancarte. Je vais tenter de l'interroger. Monsieur, bonsoir monsieur. Jean-Pierre Lotard, pour Paris Inter. D'où venez-vous, s'il vous plaît? Je viens de Billon, dans le Puy-de-Dôme. Billon? Mais je connais très bien Billon, c'est là que j'ai commencé ma carrière. Quelle magnifique région. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un dans cette manifestation monstre, hein. Parce qu'il y a du monde, hein. Il y a du monde. Alors dites-moi, mon cher Robert, n'est-ce pas? Oui, Robert. Robert, mon cher Robert, pourquoi manifestez-vous aujourd'hui? On manifeste pour la laïcité. Alors, en quoi la laïcité est-elle menacée, mon cher Robert? C'est à cause de la loi Debré. Attention, parce que les pavés répondent aux jets de gaz. Allons un peu plus loin, protégeons-nous. Alors, mon cher Robert, qu'est-ce que la loi Debré pour tous nos auditeurs, s'il vous plaît? La loi Debré, en donnant les mêmes droits à l'école laïque, surtout à l'école privée, si vous voulez, ça a séché les finances de l'école publique, et l'école publique, elle se retrouve sans argent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on manifeste tous contre la vétusté des locaux, et puis le nombre d'élèves qui a un surcroît et qui n'a pas été pris en compte. Donc vous menez... Attention, une charge de police! Ça devient dangereux, mon cher Robert! Manifestez-vous pour Paris Inter! Ah bah la dictature des élites! Vive la liberté! Sexe, drogue et rock'n'roll! Tout un programme! Robert, que pensez-vous de cette... attendez, jeune homme, mais pourquoi bondissez-vous tout le temps? Je suis Mao Spontex! Mao Spontex, Robert! Robert, alors, que pensez-vous de cette mobilisation de la jeunesse? Ah bah la jeunesse, elle a tout ça pour elle, hein. C'est-à-dire que si vous voulez, on l'a préparé pour ça, hein, quelque part. C'est de l'éducation populaire, c'est-à-dire que c'est de l'apprentissage du fait politique. Oui, mais sérieusement, j'ai cru sentir que cette spontanéité bondissante vous a un peu débordé, n'est-ce pas? Ah bah ils ont la spontanéité pour eux, c'est sûr qu'ils ont la jeunesse pour eux, mais c'est nous qui les avons formés. Mon Dieu! Le vieux monde est derrière nous! Il faut ouvrir les yeux! L'avenir appartient à la jeunesse! Robert! Sérieusement, Robert! Ne vous sentez-vous pas un peu débordé par cette jeunesse? Bien sûr, ils ont la spontanéité pour eux. Mais en fait, si vous voulez, nous, là, on leur a donné la possibilité de manifester, quoi. Hein. Ah, donc, voilà. Est-ce que cette jeunesse manifesterait contre une morale d'église, en quelque sorte? Ah oui, c'est ça le problème, si vous voulez. C'est que l'église, elle a tout régi depuis longtemps. Et c'est pour ça que, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on manifeste tous. Mais oui, je vous suis totalement sur cette chose-là. Ah, c'est-à-dire que il y a pas que la morale d'église. Hein. Ah, ouais, c'est qu'il y a aussi les... Le SMIC. Il y a aussi les inégalités sociales, hein, bien sûr. Et puis il y a le SMIC aussi, regardez le SMIC, il décolle pas le SMIC. Hein. Et puis de toute façon la droite elle est au pouvoir depuis trop longtemps. Hein. Ouais, c'est pas possible. Et la droite elle est responsable. Et la droite c'est l'église. Mais... Et s'il y a une chose qui doit changer dans ce pays, c'est ça. Alors ça veut dire que les jeunes manifestent contre la morale d'église, c'est ça? Oh, oui. Attention, une charge de policier, Robert, attention! Cours, camarade! Cours, camarade! Nous arrivons!
attention pour la photo.